Bandi Axam à bon motocyclette attaqué ancien directeur général de la police là, Jean-Nesté Lucien. Incident s'est passé mi-temps journée à Yemekoudia, dans la commune Taba, pas trop loin résidence ancien chef de l'État Lavalas là, Jean-Bertrand Aristide. Ancien DGPNH là, qui t'a reçu plusieurs balles, a pris soin qu'il est là dans l'hôpital, dans la capitale là. Il y a un ressortissant américain qui a accompagné ancien DG la police là, mouri sous place, en babal bandio. D'après porte-parole la police là, Franz Lerbourg, qui est dans mes co-collaboratrices, nous, Anne-Merline Eugène. Il a été touché, il me semble, de deux balles, et la personne qui l'accompagnait, qui vraisemblablement est un ancien militaire américain, a été tué sur le coup. Les circonstances entourant ce drame, donc vous les connaissez. Deux hommes à moto. À l'approche de l'impasse, je crois que c'est une impasse, à proximité, si vous voulez, de la résidence de l'ancien président, et c'est là qu'il a été touché. Mm-hmm. Il a été pris en charge par deux ou trois hommes à moto. Et alors, selon les informations, la victime reviendrait d'une banque commerciale. Est-ce que vous avez cette confirmation? On a parlé aussi de ça, mais ça, je ne peux pas le confirmer pour le moment. Mais avez-vous une idée de la santé de la victime, monsieur Lerbourg? Bon, il a été transporté à l'hôpital, mais il n'y a aucun diagnostic qui est déjà sorti de sa situation. On ne sait pas si sa situation est stable ou si sa vie est en danger, on ne sait pas. Précision, Franz Lerbourg.